Non. Oh ben. T'es tout seul? Ben, tu vois bien, ouais. Ça se voit pas? Bah, si. Et ils sont où, nos hôtes? Oh, on n'en sait rien. Oh bon? Bah, c'est nouveau, ça. Depuis quand tu fumes la pipe? Faut pas taire 5 minutes, non? Hein? On te voit bien d'abord que ça ne fume même pas, il n'y a pas de tabac, on n'a pas le moyen. Ça, c'est pour le fric. Tu veux que je te dise? Non. Eh ben, je suis pas sûre de vouloir rester. Bah, on est bien, là. Bon, ouais, mais bon, je me sens moche, moi, dans cette espèce de truc, là. Ah, pourtant, tu n'as mis des temps à choisir, hein. Bah, ouais, mais j'ai rien trouvé à mon goût. Ouais, ouais, mais c'est vrai, quoi, je suis moche là-dedans. Mais si, t'es belle. Oh. Oh, ça te change, hein. Oh. Et ça, ça veut dire quoi, hein? Bah, qu'est-ce qu'on fait? Et ils sont où les proprios? Oh. J'en sais rien, je vais décrocher. Ah, vas-y. Oui, lui à l'appareil. Oui, oui. On va réfléchir. Pourquoi est-ce que j'ai vu? J'ai vous dit qu'on va réfléchir. Hein. Oh. C'était qui? Le pape. Qu'est-ce qu'il voulait? Rassure-moi, Gigi, tu le fais exprès. Non? Quoi? Comment? Exprès quoi? Ok, bon, c'était Monsieur de la Tour. Ils n'ont toujours pas retrouvé leur fille, ils sont inquiets. Qu'est-ce qu'on fasse, sinon? Bon. J'espère que c'est pas à cause de nous qu'elle est partie, quand même. D'après toi, c'est... après qui, alors? C'est d'après qui, alors? Le pape? Bon, enfin, mais pourquoi je croirais que c'est le pape? Oh, Gigi, mais toi, tu me fais tourner chèvre, là, quoi! Oh, écoute, je vais t'expliquer. Ouais. Non. Je vais essayer de faire comprendre. Si elle est partie, c'est à cause de nous. Et de la tour, me suppliait presque de partir. Parce que sa fille, vois-tu, elle veut faire plaisir à sa future belle-mère. Et elle pense qu'on va faire tâche dans le paysage. Ah, bah alors, tu vois bien qu'on peut pas rester, hein. Puis d'avoir, et même si la gamine, elle est pas très aimable, hein. Eh ben, on peut quand même pas y gâcher son dîner. Mais qui te dit qu'on va gâcher son dîner? Oh, tu... alors. Oh, pourquoi? D'accord. Bon, je reste assis, je vais encore voir ça. Ça tombe bien comme lui. Oui? Qui ça? Ah oui, 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 je suis bien Monsieur de la Tour, oui. Oh, mais ça va pas, non? Mais qu'est-ce qui... Alors là, c'est les ennuis qui commencent, ah. C'est pas possible, ça. Madame Barail. Ah, vous annulez le dîner de ce soir. Vous ne pouvez pas... Ah, mais c'est impossible, madame. Non, 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 c'est impossible. Vous allez venir... Ah, je comprends bien. Ah, oui, 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 j'entends que vous avez... une réunion très importante. Vous devez prendre l'avion demain matin. Ça, à Copenhague. Copenhague. Ah, moi, je ne connais ni à l'autre. Je ne sais pas où c'est. Ah, c'est au Danemark. Non, mais madame, non, mais écoutez. Au Danemark. Alors, moi, ce que je sais, madame, c'est que vous avez un dîner prévu ce soir et vous allez venir. Ah, ben si, tous enfants. Vous pouvez bien faire cet effort, non? C'est quand même plus important qu'une réunion à Copenhague, oui, oh, je sais pas, oui. Ah, mais voilà, vous voyez quand vous voulez. Mais c'est très bien. C'est cela. Ah, oui, à tout à l'heure, madame, je vais informer, oui, à tout à l'heure, madame. Mais franchement, hein, ça va pas, hein. Qu'est-ce qui t'a pris, là, te faire passer pour de la tour, hein? Et puis d'abord, c'était qui, au téléphone? C'est l'invité de ce soir, elle a annulé son dîner. Ah bon? Ah oui, mais tu en as entendu, hein? Ouais. Hein? J'ai bien rattrapé le coup, hein? Ah oui? Ouais. Avec ça, la fille, hein? Elle pourra plus nous en vouloir, la gamine. Bah, j'espère.
Non, tant qu'il y a... Bon, je vais aller voir Rosine pour la prévenir, là. Ah bon? Mais la prévenir, pour quoi faire? Madame Baroy va faire que passer. Ouais. Elle ne restera pas dîner. Mmh. Mmh. Bon. Oh bah dis donc, hein, drôle de façon de rattraper le coup, là. Hein? Est-ce qu'on peut, hein? Bon, bah, de toute façon, hein. En attendant, hein, moi, j'en profite un petit peu, dans le fond. C'est pas tous les jours qu'on s'installe chez les Bourges. Alors comment ça, les invités, ils ne viennent plus? Oh, mais si, si, mais si, 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 ils viennent. Mais il n'y a que le fils qui va rester. Oh, non, mais il va falloir savoir quand même. Alors, un coup, c'est 7, après, c'est 5, maintenant, c'est 6. Et je vais pas faire que ça, quand même. Rosine, elle a un culot, cette bonne femme-là. Tu as entendu? Je suis sincèrement désolé. Ah oui, oui. Ouh, ça te fait rire. Ah bah ouais, ça me fait pas rire, ils m'ont oui. Ah non, mais je le vois encore, là. Les affaires ne peuvent attendre. Un imprévu. Il a gna 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 gna. Et blablabli, blablabla. Non, mais pour qu'elle se prend, celle-là. Oh. Oh, après mais... tout, va. T'énerves pas. Oh, si, quoi ça sert. Oh, si, ça m'énerve. Ah, ouais, c'est vrai, quoi. Après tout, on va pas rester là non plus les attendre. Hein. C'est leurs oignons à nous autres. Ouais, bah enfin, oui, bah même. Oui. Dis donc, en parlant d'oignons, là. Et ils sont où, nos autres? Oh, c'est rien. Tiens, la fille est partie en pleurant, en disant qu'elle voulait mourir. Mais ah non. Oui. Ben, elle a même laissé son portable, là. Non. Alors, ils font le tour des voisins pour essayer de la retrouver, voilà. Non, mais c'est pas possible, cette pingèche. Ah, ben, elle a bien à se plaindre, va. Elle a une mère. Mais alors, la main sur le cœur, elle est gentille comme tout. Elle a un père, c'est bien simple. Ben, c'est simple, il ferait n'importe quoi pour sa fille. Ah, ben oui, qu'on fait venir un couple des paumés, quoi. Non, mais attends, c'est qui les paumés? Oh, toi, attention, hein. Si tu sais pas où t'es, hein. Moi, je sais exactement où je suis. Et si tu savais pas, t'avais quand même demandé, hein, non. Gigi, tu me saoules. Oh. Me rase. Oh. 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 Rosine, c'est ça? Ouais, Rosine. Ah. Eh ben, moi, c'est Gisèle. Mais tout le monde m'appelle Gigi. C'est... Loulou et moi, hein. On était venus pour faire la cuisine ce soir. Ah ouais, j'ai appris ça, dis, tu m'en veux pas? Oh ben... De quoi? Bah que je fasse à manger à ta place, hein. Oh, pas du tout, hein, tu sais, alors là, moi, je serais bien en peine de faire quoi que ce soit. Oh, bah, la cuisine et moi, on n'est pas copains, c'est bien, hein. Ouais, pourquoi tu dis ça? T'es la reine de la tambouille, toi. Ouais. Oh bon? Et là, tout le monde est le bouchon, il ouvre boîte comme personne. Ah, ça, c'est vrai, ça, ouais. Si, c'est vrai. Ah, tu vois? Mais sinon, tu fais quoi comme boulot, Rosine? Oh, bah, moi, comment dire... Ah ben, je m'occupe des mecs en détresse, et crois-moi, mais alors, il y en a. Ouais. T'es assistante sociale? Eh ben, comment te dire? Je vais t'expliquer avec un petit langage fleuri et bien joli. En fait, je suis une fille de joie, quoi. Oh, bah ben alors là, ça t'a raison, c'est... Plus joli, va, Rosine. Ouais. Elle est un peu comme nous. Ah bon? Ouais. Bah, ah nous, bon. On est dans la rue. Oui, bah, eh ben, ouais, mais on fait pas la même elle chose. Elle aussi. Hein. Bah, 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 dis donc. Mais ton coquin est déjà disparu. Oh, t'as vu ça, Loulou? Si ta femme, ta petite Gigi, là, c'est la reine de l'ouvre-boîte, moi, je suis la reine du maquillage. Comment ça, un coquard? Alors là, tu vas nous dire tout de suite qui c'est qui t'a fait ça, hein? Parce que je vais te dire, moi, tu vois mon loulou, là, eh ben, il va aller y casser ce gif, peut-être que... Ah, loulou! Hein? Non, oh, c'est peut-être pas la peine, bon, ça va aller. Oh, bah si, hein, si, si, loulou, allez, hein. Non, elle te dit que non, c'est tout, hein. Pas insisté non plus, hein. Bon... Par contre, si je peux me permettre, pourriez pas me donner un coup de main? Non, je t'arrive pas, n'importe quoi. Quoi que ce soit, tu peux le demander, on est là. Hein? Ah bah, dis donc, ça m'arrangerait mon coup parce que je suis pas tout le temps interrompu pour faire mon repas, là. Alors, si ça vous dérange pas, pas dresser dans le couvert. Hein? Quand on fait? Quand on passe quoi? Ah, ah oui, le niveau est...
Bon, mettez la table, quoi. Oh, bon, il faut le dire tout de suite, et pas de problème. Non, non, pendant ce temps, je vais ranger un peu quand même. Viens, Loulou, on va mettre le table au milieu, là, allez. On vient de pas grande poussette, quand même. Allez, non, encore un peu plus loin, là, allez. Oh, bah, on ouvre la frette, hein. Qu'est-ce qu'on fait si c'est cette madame Barreuil? On remet en place. Ouais. Hop, c'est elle qui vient, on expédie vite fait, hein. Remettez en place, je vais aller voir, on verra bien. Oh, bonjour. Si vous voulez bien vous permettre. Ah, la place à la Rosine. Tais-toi, Gigi. Vous êtes Léa? Oh non, moi je suis la bonne. La bonne? Oh, pauvre bête. Madame et monsieur de la Tour, je suppose. Vous n'y êtes pas du tout, mais... je parie que vous êtes madame Barreuil. Tais-toi, Gigi. L'est-il? Je suis le grand-père de... Non, je suis même le père. Je suis père et grand-père. Non, je suis le père de... Vous voyez, de... Joseph. Ah, de Joseph, c'est ça, oui. Comment ça? Oui. Vous ne vous souvenez plus du prénom de votre fils? Il faut dire qu'on le voit pas souvent, hein. Tais-toi, comment? Gigi. Bon, en attendant mon fils, asseyez-vous, hein. Oui, mais il est où, au fait, le vote de fils? Oh, il ne saurait tarder. J'arrive directement de mon bureau. Et je lui ai demandé de me rejoindre ici. Moi? Bon, écoutez, en attendant, Louis, il vous a dit de vous asseoir. Alors, asseyez-vous, vous ne paraît pas plus cher, hein. Ah, non. Ah, c'est bien, Gigi. Oui. Alors, pensez-vous qu'ils vont revenir? Enfin, je veux dire, madame et monsieur de la Tour. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure au téléphone, je n'ai que peu de temps, hein. Vous savez, les affaires ne peuvent attendre. Ah, vous avez dit, hein. Vous comprenez? Mais vous avez eu raison de me rappeler que les enfants, mais c'est beaucoup plus important. Oh bah pour sûr que les enfants c'est important. Hé, hey, dites donc, pourquoi vous croyez qu'on est là, nous? Tais-toi. Son père, il ferait tout pour sa fille. Ouais. Ah bah oui, bah oui, hein. Ah bah oui, hein. Bah, mon fils nous a invités parce qu'il savait que ça ferait plaisir à Léa, vous comprenez? Ah bon? Oui. Tais-toi. Je vous sers un verre à boire. Non, oh, ce n'est pas nécessaire. Oh, si, c'est une bonne idée. Allez nous chercher un petit cordial. Pardon? Parce que j'ai l'impression que notre invité en a besoin. Non, c'est pas la peine, elle vient de dire non. Attends, faudra peut-être pas abuser de la situation quand même. Rosine, vous vous égarez là, hein? Eh oui, que monsieur m'excuse, je vais chercher un petit cordial. Pardon, madame. Mon loulou, vous avez là une bonne un peu... Ouais. Comment dirais-je? Bah. Un peu... Chouette? Oh non, ce n'est pas le mot qui me venait à l'esprit. Et de plus, comment pouvez-vous accepter cette tenue? Oh, mon Dieu, quel mauvais genre! Ah, mais c'est qu'aujourd'hui, c'est sa journée de sortie, voyez-vous. Ah. Et alors, elle s'est mise sur son 31. Oh, votre fils a sûrement d'autres employés. Oh, plus de mandat, vous ne pensez pas, madame, hein? Ah oui, ah, oui, non, c'est non, indiscutable. Non. Pour ma part, je me contente de gouvernante. Pas mal. Mais parfois, pour les estras, je fais appel à une agence. Alors, si vous voulez les coordonner, je me ferai un plaisir de vous les donner. Bon, non, vous savez, c'est pas la peine. Hein. Nous, on a tout ce qu'il faut à l'armée du... Ben quoi? Tais-toi, Gigi. Vous êtes dans l'armée? Ah, j'ai été. Maintenant, je suis à la retraite. Ben, je sens que ça fait soif. Ah, ouais, c'est aussi... Je vais voir où on est, Rosine. Hein. Pardon, excusez-moi, madame. Ah, Rosine, justement. Hey, désolé, hein. Hey, j'ai ouvert tous les placards, mais j'ai trouvé du jus de fruits. Oh, avec ça, hein, bah, pas loin. Madame Dubreuil. Monsieur de la Tour. C'est pas madame Dubreuil.
Madame, je sais pas comment, Marolles, non. Et Mme de la Tour, et pourriez-vous me donner quelques glaçons? Oh, ce jus d'orange est d'une tiédeur. Ah, bah alors ça, à mon avis, ça va pas être possible parce que Madame les a flanqués sur l'œil tout à l'heure. Ben bon, je vais aller voir quand même, on ne sait jamais, il peut peut-être rester quelques ans. Si je puis me permettre, votre fils a vraiment une domestique très particulière. Ouais. Oh, j'y vais. Ah. Ah, bonjour mon gars. Allez, entrez. Entrez, hein, restez pas dehors. Madame de la Tour. Ça, je sais pas, j'ai pas tout suivi. Faut demander à Louis. Entrez, entrez, jeune homme. Faites pas attention, ma femme, elle aime bien rigoler, là. Je suis le grand-père de Léa. Bonjour, monsieur. Bonjour. Homer, vous êtes déjà là? Ah, oui, je suis arrivée un peu plus tôt, car monsieur de la Tour, ici présent, oui, m'a demandé expressément de venir. Je ne comprends pas. Ne devez-vous pas dîner avec nous ce soir? Oui, mais un fâcheux malentendu m'oblige à prendre l'avion demain matin pour Copenhague. C'est où que c'est que ça? Tais-toi, Gigi. Et je ne peux malheureusement pas rester bien longtemps. Bah, vous allez bien attendre que ma petite fille revienne. Oh, mais elle serait très, très déçue, hein, vous savez. Mais bien entendu, ah, mon fils ne m'a fait que des éloges de votre petite fille. Ah bon? On va dit donc, vous êtes sûr que c'est de Léa, là, qu'on cause? Tais-toi, Gigi. Laisse-le. Oui, c'est vrai. Je... Ok, j'ai compris qu'il faut que je le teste. Ouais, moi, pour t'aller, c'est tout. T'es là pour servir. Bon, alors. Donc, vous êtes les grands-parents de Léa? Je suis heureux de pouvoir rencontrer toute sa famille ce soir. Ah. Léa me parle très souvent de vous. Ah bon? Ah bah, pas comme elle a fait pour nous parler de nous, parce que... Ouais. On se connaît que d'aujourd'hui. Bah oui, on ne connaît que... Ouais, enfin, bah... Oh, c'est encore une blague. Votre femme est très drôle. Oh là là, on peut savoir à quel point. Oh là là, qu'elle est drôle, hein. Ah, moi, Gigi, t'es drôle. Tu poudres? Ouais. Bon, oh, ah. Hey. Dis donc, on a du bol, hein. J'ai retrouvé quelques glaçons dans le fond du freezer. Oh, ils sont beaux, il y a des couleurs. Oh, mince. Oh, j'ai oublié la pince. J'y vais la chercher, la pince. C'est ce que c'est? Oh, ouais. Prends-moi pour une demeurée, hein, mon petit. Hein. Oh, oh, bah, j'avais pas vu. Oh, oh, bah, dis donc, alors, comme ça, c'est vous, l'heureux élu? Oh, bah, vous pouvez y aller, je ne mords pas. Non, bien sûr. Veuillez m'excuser. Je m'appelle Clovis. Oh. À qui ai-je l'honneur? Rosine, je suis... La bonne? Mais c'est la bonne! Ah ouais, c'est vrai que j'avais oublié. Oh, dis donc. J'espère que vous aimez le jus d'orange, parce que je n'ai que ça à vous proposer. Oh, tout ce que vous voulez. Oh, vraiment? Oh, ne bougez pas, j'arrive, je vais vous chercher ça. Tu ne bouges pas. Quelle impertinence! Jamais! Vous m'entendez? Jamais je n'ai vu pareil comportement de la part d'une domestique. Oh là là, tout le monde à l'envers! Oh, à ça, si vous étiez à mon service, eh bien, il y a longtemps que je vous aurais renvoyé. Oui, mais voilà, je ne suis pas à votre service. Il y a une gros vieux. Comment pouvez-vous laisser votre domestique m'insulter de la sorte? Ah, mais c'est bien simple, madame, en la laissant s'exprimer. Oh, je crois que j'en ai assez entendu. Clovis, viens-moi. Viens avec moi. Nous partons immédiatement. Mais Léon n'est pas encore arrivé. Je ne resterai pas une minute de plus à me faire insulter. Et toi, tu viens avec moi. Mère, je vous en prie. Tu ne discutes pas, tu viens. Non, mère,
j'admets que cette demoiselle a eu des propos désobligeants, mais reconnaissez que vous-même... Oh, se voir traité de la sorte, insulté par une... Oh, enfin, par ça. Oh. Par ça. Ça, c'est le goutte d'eau que fait de boire dans le vase, chère madame. Hein? Et je ne vous retiens pas. Le sortir par là. Oh, jamais, vous m'entendez? Jamais je ne reviendrai. Ah, ça, jamais. Oh, jamais je ne reviendrai. Mais on s'en sortira mieux, madame, et je vous conduis. Il faut que je lui parle. Attends. Non, mon gars, non. Non, non. Quand une femme est en colère, mieux faire, c'est laisser passer l'orage. Connaissant ma mère, je doute fort que ce soit un orage. Bon, ça va passer, ça. Voilà l'outil. Allez, les détails. Hein. J'ai fouillé partout. Ouais. Ah, en fait. Bah, elle est où, votre mère? Elle est partie. Ouais. Dites donc, je trouve que vous êtes vraiment bien assuré. Vous croyez? Oh, bah si je vous le dis. Alors là? Il faut pas vous en faire. Voir un peu, là. Je n'aurais pas raté quelque chose, moi? Gigi, viens me faire voir toi trouver cet engin-là. Allez, viens. Oui, mais non, mais Léa. Tu vas penser à Léa, t'as oublié Léa? Il y a des jours, t'as des éclairs de lucidité, c'était encore hier, la mouche, là. Ah, bah, allez, viens vous faire voir ta couleur. Léa, on s'en fout de Léa. On s'en fout de Léa. Rentre là-dedans, moi, je vais me laisser. Dis donc, je pense que vous avez drôlement bien assuré. Hein. Vous avez une mère très... Très autoritaire. Oui, c'est vrai aussi, oui. Enfin, faut dire aussi qu'avec ses grands airs, elle m'a un peu agacée quand même. Hein. Vous êtes la première femme à lui avoir parlé sur ce ton. Bon, il n'y a pas de quoi être fier, hein. Mais je t'assure que, franchement, elle était énervante, quoi. J'avoue qu'elle peut être irritante parfois, mais heureusement que les parents de Léa étaient absents. Oh, mais pourquoi vous dites ça? Mais au contraire, vous auriez vu leur comportement face à la situation, allons. J'ai l'impression que vous n'aimez pas beaucoup vos employeurs. Ah non, alors là, vous vous trompez carrément. Oh, Madame de la Tour est une femme charmante, adorable. Quant à Monsieur de la Tour, alors pour le peu que j'ai vu, je trouve qu'il n'a pas beaucoup d'autorité chez lui, mais enfin bon. Vous devez être très psychologue. Oh bah, sûrement des formations professionnelles. Vous n'êtes pas la domestique? Oh bah, c'est-à-dire que je fais des extras, quoi. Et que faites-vous dans la vie lorsque vous ne faites pas des extras? Faire partie. Eh bien, c'est-à-dire que je suis dans les relations publiques. Dans les public relations, quoi. Oh, ça doit être très intéressant. Oh bah, surtout très enrichissant, oui. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Oh, je me prépare à prendre la direction des usines familiales. Oh, c'est bien. Et ça te plaît? Bon, c'est que je n'ai pas vraiment le choix. Ah bon? Pourquoi? Ma mère a mis tous ses espoirs en moi. Donc, je ne veux pas la décevoir. Ah ouais? Et c'est pour pas décevoir Léa que tu veux te marier avec elle? Eh ben, dis donc, mais c'est une fille pourrie gâtée qui ne pense qu'à une chose. Se la couler douce et pouvoir mettre la main sur une grosse fortune et pour ne rien faire. Oh, Léon. Nous nous connaissons depuis très peu de temps. Parler mariage me semble prématuré. Bah dis donc, c'est pas l'impression qu'elle donne, hein? Dis donc, si le repas est si important pour elle, tu sais pourquoi? Mais je vais te le dire, c'est parce qu'elle veut mettre la main sur une grosse fortune, oui. Ah, non mais... Et pourquoi d'après toi? Elle-même. Elle-même? Mais non, Nigo, elle aime ton fric, oui, mais pas pendant qu'il en est encore temps. Oh. Pourquoi dites-vous cela? Oh, bah, peut-être parce que... je te trouve mignon, et puis... J'ai peut-être pas envie que tu tombes dans ses griffes, quoi. Oh, c'est que je vous trouve pas mal non plus. Oh, Au contraire. Allez,
si, bah alors du coup, faites comme chez vous, dérangez pas. Il n'y a pas moyen de la retenir plus longtemps. Oh, mais bon. Vraiment qu'elle est curieuse. Donc, vous êtes les grands-parents les plus, comment dirais-je? Ne te fatigue pas, mon gars. On n'est pas les grands-parents de Léon, non. Mais bah alors, qui êtes-vous? Mais non. C'est des extras comme moi, quoi. Il y a des choses qui m'échappent. Pourras-tu m'expliquer? Bon, je t'expliquerai, mais pas maintenant. Si nous partions tous les deux. Oh oui! Oh, mais attends, avant, je peux pas partir comme une sauvage. Attends, j'ai vu qu'il y avait un petit papier tout à l'heure. Faut quand même que je laisse un petit mot avant de partir. On peut pas partir comme des sauvages. Oh, elle écrit vite et bien. Oh bah tu sais Loulou, hein, dans mon métier on fait ça très vite. Hein. Ah bon? Je prends pas trop de temps. Hein. Bon. Pas de fioriture. J'en connais, ils partent mettre la braquette ouverte. Hein. Moi Gigi, je crois que c'est là que... Nous nous séparons. Tu nous laisses. Oh. Qu'est-ce que j'étais contente de te connaître, moi, Gigi. Rosite. Chez nous, c'est quatre. Oh. Loulou. Oui. Gigi. Ouais. Oui. Quand j'aurai mon petit resto. Oh. Je vais vous avoir tous les jours un matin. Oh. Oh. Plaisir. Oh. Et comment qu'il va s'appeler ton resto? Mais... La Providence. Ah, c'est un bien joli nom, oui. Bon, alors... Oh, mon loulou, attention, allez. J'ai un peu de pare-choc. Oui, elle descend un peu de ce côté-là. Excusez-moi. Et prends bien soin de toi. Oh, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est moi qui vais prendre soin d'elle. Ah, t'as intérêt, oui. C'est bien, chérie. Oh. Prends mon manteau, il est neuf. Eh ben... Oh, merci. Oh, bah dis donc, mon loulou, hein. Pour attraper le coup, là, il me semble que t'as rudement bien attrapé le coup, hein. Je pouvais pas prévoir que le gamin serait du goût de la Rosine, là. Bon. Et qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer, maintenant? T'en fais pas, on va pas tarder à le savoir, hein. Si qu'ils arrivent tous à moitié dingo, là... Ouais, vous êtes toujours là, vous! Oh. Ah! Mais vous en faites pas, monsieur Machin. On a réfléchi, on a décidé qu'on n'allait pas rester. Oh, bah, ça c'est gentil, hein, merci. Ah. Bon, alors, vous avez retrouvé votre fille? Oh, bah oui. Elle était chez une amie, hein. Ah. Oh, ça n'a pas toujours été une fille facile, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais alors là, je pense qu'elle a dépassé les bornes. Ouais, les bornes. Mais où sont-elles? Je pensais qu'elles me suivaient. Ah oui? Il y a un problème? C'est Léa! Elle est persuadée d'avoir vu Clovis! Mais puisque je te dis que c'était lui! Mais la voiture est passée tellement vite, tu n'as fait qu'apercevoir un homme! Et en plus, j'ai cru qu'il y avait une femme à ses côtés! Je n'ai pas eu le temps de voir, j'ai surtout reconnu la voiture. Bon. Vous êtes encore là, vous? Oh, ça devient une rengaine à la longue, là, hein? Ne t'inquiète pas, ma chérie, mais ne t'inquiète pas. Ils vont bientôt partir, n'est-ce pas, mes amis, hein? Dis donc, je suis pas sûr qu'on va rester longtemps ses amis, moi. Vous en faites pas. Le temps de remballer nos affaires, et on est parti, on a décidé, hein. Très bien, je vais voir où on est Rosine. Oh là là, il va y avoir de l'action! Comment ça va? Tais-toi. Bon. Oh. Bah maman, que se passe-t-il? Il y a que Rosine est partie. Quoi? Mais elle ne peut pas me faire ça. Elle dit dans sa lettre de ne pas lui en vouloir, que la vie nous réserve parfois des surprises, mais qu'elle a quand même préparé le repas. C'est bien ça. Tu vois ce que ça donne, toi et ta manie, de faire confiance à n'importe qui. Vous, vous servirez le dîner, et vous, vous ferez le majordome. Oh, j'ai peur d'être obligé de refuser votre si gentille demande, mademoiselle. Exactement, et moi aussi. Ah, mais si, c'est de votre faute si l'autre est parti. Bon, mais ce n'est certainement pas de leur faute. Mais va plutôt te faire belle pour recevoir nos invités. Et pendant ce temps-là, je vais tout arranger, comme d'habitude. D'accord. Hein? La vie nous réserve parfois des surprises.
Mais je ne comprends pas ce qu'elle a voulu dire. Bah, pourtant, attendez, c'est tout bête, hein. Mais pourquoi? Tais-toi. Vous? Roger. Vous cachez quelque chose. Pourquoi Rosine est-elle partie? Que vous a dit Rosine? Mais n'ayez pas peur, hein. Vous savez, au point où nous en sommes, plus rien ne peut nous surprendre. Ça, c'est pas sûr. Et toi? J'ai trouvé ça dans ma chambre. Oh, alors là, vous, ma petite demoiselle, je crois que vous allez avoir quelques petits ennuis, hein. Ouais. Ah, ce que Gigi veut dire, c'est que vous deviez vous asseoir. Ouais. Ah ouais, parce qu'on a des choses à vous annoncer. Dis donc, mon loulou, alors là, vraiment bien, hein, parce que je n'avais même pas fait ça que je voulais dire. Ouais, mais tu ne sais rien, tais-toi. Bon. Alors, personne ne dit rien, mais moi, je vais dire quelque chose. Madame Bareuil est venue. Ouais. Oh. Et elle est repartie fâchée. Fâchée? Mais que lui avez-vous dit? Oh, rien de particulier, hein. On n'a rien dit, non, hein. Non, de toute façon, c'est pas le plus important, hein. Oh, mon Dieu. Oh, mais... Oh. Mais parlez, bon sang. Eh ben, Clovis vient de partir aussi. Quoi? Il vient de... Oh, mais il est parti avec Rosine. Oh, oh, avec cette sauce. Oh, mon Dieu. Oh, mais toi, au lieu de rester planté là, mais viens! Oh, mais non! On n'est pas là de revoir de si tôt, hein? Non. Eh ben, dis donc, tant qu'ils rattrapent leur voiture. Ben ouais, mais... Ah ben... Oui, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? T'as pas faim, toi? Oh, bah écoute, si, ça commence, hein. Qu'est-ce qu'on fait pour se mettre à table? Eh ben, et va chercher la bouffe qui faille, là, à la cuisine. Bah ouais, et puis moi, pendant ce temps-là, je vais dresser le couvert. Ah, ah bon, tu dresses maintenant? Ouais, ah, c'est bien. Allez, rembarque-moi ça. Ah ouais, ouais, parce que ça, c'est pas bon, ça. Oh non. Oh là, c'est lourd, attention. Tout. Ah, oh, ça sent bon, déjà. Ah là 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 là. Dépêche-toi, allez, vite, vite. Parce qu'on va se régaler le côté de nos gens. Allez, Loulou, voilà. Qu'est-ce que tu fais, là? Ça commence à croiser, là. J'ai mis à chauffer un petit peu, hein, mais j'ai trouvé une petite quelque chose là derrière. On va avoir un petit coup en attendant, mais j'ai bien chauffé un peu. Non, ça sent rudement bon, hein, je dis la Rosine là. Ah, ouais, c'est vrai, une vraie. Oh. Bon, allez, vas-y. Ouvre-moi la bouteille. Hein, parce oh bon, c'est vous? Ouais, moi, il manque à moitié d'un doigt. Moi. Oh, bon, autre chose. Allez. Bon, allez. Parce que moi, tous les ans, j'ai fait partir à où alors? Allez. Bon, c'est dur. Non, pas doucement, de la classe quand même. De la classe. Oh, tu sais bien, hein, faut faire chichi avec moi. Oh là là, j'ai pas en hiver parce que tu vas me les casser. Oh là là là. C'est coincé. On aurait reçu, on aurait mis. Elle est dure. Oh là. Allez. C'est pas chinois quand même ça. Ah. Attention les dégâts. Hein. Parce que. Oh là là. Allez. Oh ça. Non, attention. Mais c'est vrai, c'est un vrai cordon bleu ça. Bon. Oh. Ah, 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 ça y est. Ah, 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 bah, oh, je me sais quand même. Allez, ouais, fais pas de chichi, allez, assieds-toi, là, c'est moi qui cherche à coup. Moi, j'avais avec ma mousse. Ah non, il n'y a rien dedans, vous voyez. Ah. Rigolez, ma mousse, ma mousse, ouais. Quoi, ça, je vais te dire, ça va nous changer du jus d'orange. Ah non, bah, l'orange, il est parti, hein. Oh. À la tienne. Allez. Ouais. Allez. On va mettre après. Hein. Ouais. 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 Après. Oh. Santé à nos hôtes. Oh, ça tombe bien qu'on avait soif. Ah. Eh ben, ah ben c'est Rosine, c'est un vrai cordon bleu. Hein, oui, et là, je sens que ça va être un dîner bien tranquille. Hein. Ah, ah non, ouais. On va être vraiment tranquille. Hein. Ça. Allez, la tienne. Tu l'as dit, mon loulou. Ah oui, mais ça, j'avais été.
chercher à manger. Hein? Bonne année, je le sens. Bon, oui, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, j'ai oublié. La pièce que nous avons eu plaisir de... Enfin, on a eu un plaisir, enfin, jouer devant vous, de Martine Huette. Ah, bah, je vous explique comment ça va. Les décors, bien sûr, sont toujours nous, ça fait 38 ans, non? Ainsi, on change la tapisserie tous les ans. On a fait des frais, vous voyez. Ah oui, on a fait des frais. Ah oui, bah, véritable cœur de Sky. Ouais, mais enfin, ça coûte l'argent, c'est votre argent qui est là-dedans. Ça va une partie de nos meubles. Quand on sera mort, on va faire les partages. Bon, qu'est-ce que je veux dire, on ne va pas parler plus longtemps. On est bien contents, on vous remercie, parce qu'on voit beaucoup de têtes des autres années. On est vraiment satisfaits de vous voir. Et c'est grâce à vous que nous pouvons exister, que nous pouvons continuer à jouer. Si vous ne veniez pas, on ne pourrait pas le faire. Et c'est toujours temps. Oh, il y a le petit quoi que c'est, parce qu'on a eu des problèmes, comme vous certainement, pas d'électricité un jour, des malades de l'autre, il y en a qui ont été malades. Bon, on a réussi quand même à faire quelque chose. Et c'est tout. On vous remercie. Ah oui. Vous ne connaissez pas cette jeune fille-là. Orlane Biancourt. C'est là-bas non plus, vous ne connaissez pas beaucoup. Hein. Surtout quand elle est coiffée comme ça. Marie-Pierre Jauneau. Là, on ne le présente plus, M. Pierre Baudry, bien sûr. Maxime Labergerie. Béatrice Décoil. Marie-France Pereira, il ne faut pas oublier. Et Christine, ma Gigi, Christine de Roche. Et bien sûr, sans oublier, hein, une mise en scène de Alvaro Pereira.
Non, c'est pas qui veut. Et... Comment ? Il y a des voisins ? Non, je dis lui, le voisin. Ah oui, oui, oui. Ah, les voisins. Oh non, non, faut pas le dire. Non, 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 non. Bon, alors, on vous remercie beaucoup et portez-vous bien. Faites attention en sortant. Je ne sais jamais, parce que machin. Et alors, à l'année prochaine. Thank you.